À Reims, le 21 juin 2012 n'a pas été la fête de la musique pour tout le monde. Dans le courant de l'après-midi, une ruine rue Marlot a fini par s'effondrer, entraînant dans sa chute une partie de la maison voisine. Bah, je sais pas, apparemment, il y avait une entreprise qui devait faire de la rénovation de façade. Ah, de façade. Ouais, bah, on voit son, son petit panneau. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Les occupants ont été évacués à temps par les pompiers qui avaient été appelés quelque temps auparavant car un pan de mur était tombé sur la chaussée. Ici, on a échappé au pire à en voir l'état de ce véhicule. Ils étaient habités là où ça s'est cassé la gueule. Il n'y a personne. On l'avait évacué, mais ils étaient habités. Ouais. Enfin, parce que ça a menacé avant de tomber, ça c'est pas tombé d'un coup. Non. Premier étage, c'est ma mère, qui louait à des étudiants. Ouais. D'accord. Un expert a été nommé pour établir les circonstances exactes de cet effondrement, des travaux étant en cours au moment de l'événement.